terre quand les ombres font peur. Le pouvoir de la lumière éclairera ton cœur. N'abandonne pas, n'abandonne pas. Si tu es fort, tu auras tout le pouvoir. Garde la foi, tu survivras. Jours anciens, raconte une belle histoire. Un pour tous et tous pour un, combattant pour la gloire. N'abandonne pas, n'abandonne pas. Si tu es fort, tu auras tout le pouvoir. Garde la foi, tu survivras. Vlad, Roumanie. Dante et son équipe explorent le château du terrifiant Vlad Dracula dans le but de s'emparer des titans qui étaient autrefois sous le contrôle du comte maléfique. Mais lorsque nos héros se séparent, Klaus ordonne à Zalia de se débarrasser de chacun d'eux l'un après l'autre. Alors qu'il n'y a apparemment plus d'espoir, Zalia, rongée par le remords suite à sa trahison, vient en aide à nos héros et quitte définitivement l'organisation. Senton Goon. Chérite, t'es fatigué ou quoi? Tu t'étais endormi? Je crois que je n'avais encore jamais fait un rêve aussi étrange. C'est vrai? Ça avait l'air tellement vrai, on aurait presque dit un souvenir. Tu veux dire quelque chose qui te serait vraiment arrivé? Mais quand exactement? Je ne sais pas trop. Sans doute il y a plusieurs siècles, étant donné l'âge que tu as. Hein? Oh, je suis un vieux débris, Locke, ou bientôt je vais même commencer à perdre mes cheveux. Mais oui, grand-père. Allez, dis pas de bêtises. Viens plutôt jeter un œil sur le journal de mon père, une petite seconde. On dirait le puzzle que tu as découvert en Égypte. Ton père devait savoir ce que c'est. Si seulement on pouvait récupérer la page de droite. Je suis prêt à parier qu'il y avait tous les indices permettant de trouver l'amulette de la volonté. Je crains fort qu'il manque beaucoup trop de pages pour que nous puissions tirer autre chose de ce journal. Ça, c'est sûrement Guggenheim. Nous sommes en situation d'urgence, mes amis. Après ce qui s'est passé avec Zalia, l'organisation en sait plus qu'elle ne devrait, j'en ai peur. C'est le cas de le dire. Quelle est notre prochaine mission? Il y a tout lieu de croire qu'ils sont au courant que le mausolée de Lancelot renferme tous les artefacts que le chevalier a découverts pendant sa quête du Graal. Attendez, vous voulez dire le Saint Graal? Le chevalier Lancelot? Qu'est-ce qu'il y a, Sophie? On dit que ma famille a un lien de parenté avec lui. C'est exact. Raison de plus pour retrouver son trésor. Et surtout le mettre à l'abri avant que l'organisation ne puisse s'en emparer. Tu as tout compris. Je vais maintenant vous présenter votre mission. Dans un premier temps, vous devrez vous rendre à la cathédrale Notre-Dame de Paris, le plus vite possible. Mission, le mausolée de Sir Lancelot. Vous devez pénétrer dans le mausolée de Sir Lancelot et récupérer tous ses trésors. Regardez un peu ça, Rassimov. D'ici, c'est comme si toute la ville était à mes pieds et chacun de ses habitants sous mon contrôle. Très bientôt, ce sera la planète entière qui sera sous ma coupe. Nos espions et nos chercheurs ont effectué un travail remarquable. Ils ont localisé tous les titans de ce monde qui n'ont pas été découverts, y compris ceux qui se trouvent dans le mausolée de Sir Lancelot. Bien, tant mieux. Mais Klaus a lamentablement échoué lors de sa mission en Roumanie. Et mes meilleurs agents ont encore une fois été écrasés par Dunfall et sa bande. Je peux vous promettre que nous les vaincrons cette fois. Je vais d'ailleurs m'en assurer personnellement. Tiens, Peter. Bonjour, les amis. Comment va ta cheville? Ça va mieux, merci. Et si on entrait, histoire de discuter quelques minutes? Alors, d'après toi, il y a bel et bien un lien de parenté entre Sir Lancelot et les Castorwill?
Bien sûr, ça ne fait aucun doute. Si l'on en croit mes recherches, il faisait même partie des tout premiers descendants de cette famille. On va devoir faire vite, l'organisation nous espionne. Oui, c'est bien eux, j'en suis sûr. Monsieur, cela fait un moment qu'ils sont dans la cathédrale. D'ailleurs, vous aviez raison, la fille est avec eux. Soyez prudent. Ça fait quasiment une semaine que l'organisation rôde dans la capitale. On va se séparer. Sophie, je veux que tu te rendes dans la banlieue nord. Tu y trouveras un musée appartenant à la fondation qui rassemble beaucoup d'archives sur les Casterwheel. Chéri t'ira avec toi pour t'aider dans tes recherches. Locke et moi, nous irons dans le mausolée de Sir Lancelot et tenterons de trouver son sanctuaire. C'est vrai, on n'est plus que quatre maintenant. Ça ne fait rien, on y arrivera. Tu t'es perdu, gamin? Non, en réalité, c'est nous qui vous cherchions, figurez-vous. Ces dents de vol! Vite, attrapez-le! Hyperto! Jokou, lève-toi! Lève-toi, freelancer! Taille en pièces, Amit mange-cœur. Nous approchons du musée de la Fondation Untic. Tu dois avoir hâte d'y jeter un œil. Pas tant que ça, en fin de compte. J'ai du mal à croire que ce musée renferme quoi que ce soit qui puisse être utile. Si c'était le cas, la Fondation l'aurait déjà découvert. Dans ce cas, pourquoi Dante nous a-t-il envoyé là-bas? Je connais cette colline. Je l'ai déjà vue quelque part. Sophie, allez, debout! Santiago? J'ai l'impression que cette colline ne te rappelle pas uniquement de bons souvenirs. En effet, on dirait bien que tu n'es pas le seul à être hanté par ton passé en ce moment. On va faire un détour, tu veux bien? Je suis Dante Val, de la Fondation Untic. Je suis venu pour vous aider dans vos recherches. Ah oui, bien sûr, Monsieur Val. Sachez que vous êtes le bienvenu. Nous voici devant Sir Lancelot, Galahad, Perceval et Bohort. Quatre chevaliers qui ont entrepris la grande quête du Graal. S'ils étaient quatre, pourquoi cet endroit s'appelle le mausolée de Lancelot? Beaucoup pensent que Lancelot était le chevalier le plus célèbre parce qu'il était français. Exact, mais nous pensons que le mausolée porte son nom parce que c'est Lancelot lui-même qui apporta le Graal ici. L'inscription dit que même le commun des mortels peut emprunter le chemin menant à la lumière. Ça veut dire quoi, d'après toi? C'est lequel, Bohort? C'est celui vers lequel vous vous dirigez, jeune homme. Il est devant vous. Je crois que c'est à lui que l'inscription fait allusion. Bien vu, Locke. Tu as remarqué que son armure est beaucoup plus cabossée que celle des autres? Son expression est celle d'un homme à la fois sérieux et appliqué. Le courage se lit sur son visage. Durant la quête du Saint Graal, on dit qu'il a réussi là où le puissant Lancelot échoua totalement. D'ailleurs, il me rappelle un jeune chercheur que je connais bien. Merci. Ce qui m'intrigue, c'est la direction dans laquelle il pointe son épée. Je verrais bien une porte secrète dans ce mur. Un chercheur doit trouver des passages secrets, mais il doit également savoir appréhender le moindre danger. Tu comprends? Merci infiniment d'avoir découvert ce passage secret, car sans le savoir, vous venez tous deux d'aider l'organisation. Le professeur sera ravi d'apprendre que nous vous avons capturé. Baisse-toi, Hyperto! Flash éclair! À l'attaque, Hyper! Vous êtes une piètre espionne. Vous pensiez vraiment pouvoir vous faire passer pour un membre de la Fondation? Question originalité, c'est pas top. Laisse-la partir, on a du pain sur la planche. Il n'y a pas grand-chose par ici, à part énormément de terre et de boue. Sophie, regarde! Quoi? On dirait bien qu'il y a un bâtiment au bout de ce sentier. Allons voir de plus près. Je me demande bien ce que c'est. On dirait une bibliothèque. Oui, c'est vrai. C'est un endroit peu commun pour construire une bibliothèque. Eh oh, y a quelqu'un?
J'ai bien peur que ta carte de bibliothèque ne te serve pas à grand chose ici. Apparemment, il n'y a personne. Non, Delix. Voyons voir ce qu'elle compte faire. Mais l'âne, c'est risqué. Seul un Castor Wheel peut franchir cette porte. Je t'avais bien dit de la laisser faire. C'est incroyable. Je crois que je n'ai jamais vu autant de livres. Oui, c'est impressionnant. Mais il faut se dépêcher. Locke et Dante ont peut-être besoin de notre aide. Tu as raison, mais je ne sais même pas par où commencer. Ce livre a l'air d'avoir été récupéré après un incendie. Je pense qu'il a été écrit à l'aide d'un code. Bravo, Sophie, c'est une bonne trouvaille. Si l'auteur s'est servi d'un code secret, alors les indices pour le déchiffrer sont quelque part dans le livre. Oui, c'est la règle. Mais comment est-ce que je vais bien pouvoir trouver ces indices au milieu de tout ce charabia? Qu'est-ce que tu as, chérie? L'objet qu'il porte autour du cou. Je crois que je sais ce que c'est. Ah oui? C'est quoi? Je te rappelle qu'on est pressé. Il me semble que c'est l'ancienne amulette de la volonté. Attends, tu parles voilà. De celle qu'on cherche sans relâche? Mais comment tu sais ça, toi? Eh bien, en fait, je crois que je l'ai déjà vu. Chérite, personne ne s'est jamais servi de l'amulette à part le premier chercheur Castor Wheel. Il a fait venir les titans sur cette planète pour vaincre une puissance maléfique. Cette grande bataille s'est déroulée dans des temps très anciens. Alors si vraiment tu es certain d'avoir vu cette amulette, ça veut dire que tu y étais? Bon, alors on est en quête du Graal, nous aussi? Non, Locke. C'était la mission de Lancelot. Mais il n'a pas réussi à la remplir. Et pourquoi? Parce qu'il n'était pas digne de trouver le Saint Graal. Lancelot est tombé en disgrâce lorsqu'il s'était pris de Guenièvre, la femme du roi Arthur. Mais il a découvert d'autres grands secrets durant sa quête, non? Bien sûr, c'est la raison de notre présence. Ne me dites pas que c'est le fantôme de Sir Lancelot! Je crains que si, malheureusement. Ce pouvoir donne la possibilité à celui qui s'en sert de créer son propre fantôme. Vous avez l'air bien renseigné. J'ai lu pas mal de choses là-dessus, mais jusqu'à présent, j'avoue que je n'y croyais pas vraiment. Attention! Flash éclair! Locke, attends! Mauvaise idée! Va-t'en, Locke! Alors, c'est tout ce que t'as? On est mal barré. Brise espoir! Attendez une seconde, c'était vous ça? Mais alors pourquoi est-ce qu'il a disparu comme ça? Le code de conduite des chevaliers leur a sans doute fait changer d'avis. Oui, si tu le dis. Je t'en prie, creuse-toi la tête. Tu pourrais peut-être nous aider à trouver l'amulette la plus importante qui soit. Je fais ce que je peux, mais je n'ai quasiment aucun souvenir de cette époque. Ça remonte à trop loin. Tant pis, ça ne fait rien. On va trouver un autre moyen. Sen, Tan, Con. J'ai déjà entendu ça quelque part, je crois. Si ces trois mots te disent quelque chose, peut-être que ce sont eux qui peuvent nous aider à déchiffrer le code. Je crois que j'ai compris. Non seulement ce livre contient un code, mais quand on l'aura déchiffré, les pouvoirs des Castor Wheel n'auront plus aucun secret pour nous. Sympa les dessins. Il signifie le chemin de la confiance. Ça ressemble plutôt à un chemin vers une mort certaine. On est censé traverser, c'est ça? Eh bien honnêtement, je préférerais encore le fantôme de Lancelot. On peut avoir confiance. C'est écrit à l'entrée, non? J'en conclus que ça ne vous dérange pas de passer devant, hein? Mais attendez, j'ai une idée! Aide-moi à traverser, Kiprin! Faites très attention, Locke! Oh non! Ah, mais pourquoi ça se passe jamais comme on voudrait? Allez maintenant, grimpe! Ça y est! Je l'ai échappé belle. Merci, Dante. Tu aurais pu te passer de l'aide de Kiprin cette fois. Je voulais rendre la tâche un peu plus facile. Maintenant que j'y pense, j'ai trouvé ça un peu trop facile. Quoi? Trop facile? Ça va pas la tête? Étant donné que l'endroit est situé dans une grande ville, les pièges de Lancelot se devaient d'être suffisamment efficaces pour empêcher quiconque d'y entrer. Ben justement, les deux derniers pièges qu'on a eu à déjouer ont bien failli nous coûter la vie. Je crois que quelqu'un nous a aidés. Cette mission est d'un ennui mortel. T'inquiète pas, Sir Asimov lui-même a voulu y participer. Ça veut dire qu'il va y avoir de la castagne, je te le garantis. Tu dis n'importe quoi.
Excusez-moi, ça ne serait pas vous, les deux laquais censés m'empêcher d'entrer? J'imagine que ça veut dire oui. Dans ce cas, envole-toi, Icar! La chambre de la pureté et du péché. On dirait l'amulette qui renferme le titan Caliban, non? Oui, ça m'en a tout l'air. Tu veux établir le lien avec Caliban? Ouais, mais c'est bizarre, vous ne trouvez pas? Tu parles du fait qu'une amulette très puissante ait été posée sur une table à la vue de tous? Dante, j'ai l'impression que c'est la vôtre. Vous devriez vérifier si vous l'avez encore. Elle n'est plus dans ma poche, alors ça pourrait vraiment être la mienne. Heureusement qu'on s'en est aperçu. Pour un peu, j'allais vous la prendre. Merci, mais sans façon, je ne suis pas un voleur. Tu as bien fait, ce n'était qu'une illusion. Si l'on touche à quoi que ce soit, des dizaines de flèches vont jaillir de ces trous, et ce serait plutôt fâcheux. Donc si on ne touche à rien, on ne risque rien. Je crois qu'en fait, on est confronté à une énigme. C'est un peu comme si on était soumis aux mêmes épreuves que Lancelot, finalement. Pendant la quête du Saint Graal, Lancelot fut sans arrêt mis à l'épreuve pour vérifier s'il était digne de trouver le calice. J'ai eu raison de ne pas voler votre amulette. Ça faisait partie du test. Il faut être un vrai glouton pour demander autant de nourriture. Non merci. Et cet argent, qui pourrait en dépenser autant en l'espace d'une vie? Qu'est-ce que je dois faire là d'après vous? La détacher? Tu ne dois surtout pas t'en prendre à un ennemi sans défense. La vengeance est indigne d'un vrai chevalier. T'inquiète pas ma belle, je m'en prendrai pas à toi non plus. Locke, attends! Rappelle-toi ce que tu as dit tout à l'heure. Que je devais me montrer digne? Non, ça, je crois que ça venait de moi. Mais toi, tu as dit qu'on devait affronter les mêmes épreuves que Lancelot. Et alors? Et alors, est-ce que tu te souviens de la raison pour laquelle Lancelot n'est finalement jamais parvenu à terminer sa grande quête? Oui, c'est parce qu'il est tombé amoureux de Guenièvre. Ça a marché! Merci infiniment, Danteval. Forsora! Le professeur et moi-même étions vraiment morts d'impatience à l'idée de nous débarrasser de vous. Mais nous voulions d'abord nous servir de vous pour pénétrer dans cette pièce. Et ce n'est pas tout. Vous allez me rendre un dernier petit service. Ah oui? Et lequel exactement? Vous allez me dire immédiatement où je peux trouver votre complice, Sophie Casteruil. Elle est juste là. Dante! Faut pas! L'ancienne amulette de la volonté, on dirait une espèce de code. Hein? Ah, voilà le titan de Lancelot, cavalier. Hé, hey, vous, là! C'est nous qui avons fait tout le boulot, je vous signale. Alors cette amulette est à nous, c'est clair? Petit avorton, sache que ta grande impertinence va te coûter cher. Faites gaffe! Je suis Locke Lambert, le fils d'Iton Lambert. Je suis un chercheur et je ne vous laisserai pas me filer entre les pattes. Hyperso! C'est un livre sur l'amulette! Pulvérise les tourments! Passe à l'attaque, Griffosaur! Impact! Sers-toi de ta vitesse, Gabriel! Caliban! Vague l'âme! Lève-toi, Lydan! Lève, Bull! C'est moi qui contrôle ta vitesse et ta force désormais! J'en appelle à toi, vaillant soldat! À l'attaque, cavalier! Thank you.
refuse d'établir le lien, personne n'a jamais osé s'opposer à moi. Si, nous. Dante Vile, encore vous. J'ai fait de nombreuses recherches sur vous. Dante n'est pas dans son état normal. Il ne lui a même pas lancé de réplique cinglante. Je ne l'ai jamais vu aussi sérieux. Touchez, Bélier. Si je ne peux m'emparer des trésors de cette pièce, alors personne ne le pourra. Vide ténébreux. Avec ce pouvoir, il va tout détruire. Courez, Dante. Il est mort. Qui aurait pu survivre à un tel sort? Par ici! Il est vivant. On dirait une pièce secrète. Je crois que l'organisation est passée à côté du trésor le plus précieux de ce mausolée. Ces inscriptions font référence à un pouvoir. Il s'agit forcément de l'un des prodigieux pouvoirs secrets des Castorwheel. Attention! Grâce au code que Sherritt et moi avons découvert, on devrait être capable de déchiffrer ça. Alors fais-le vite, d'autres agents ne vont pas tarder à se manifester. Et je ne crois pas que nous soyons d'attaque pour un second round. Tiens le coup, Locke. On va bientôt te sortir d'ici. Ah, il peut revenir. J'ai pas peur. Ah. Je le sais bien. Tu es très courageux. Tu n'es pas le genre de chercheur qui se laisse marcher sur les pieds. Cavalier, attaque 3. Défense 2. Type Dracotitan. Taille moyenne. Pouvoir spécial, il peut voler et possède des épées enflammées. Puisque c'est Lancelot lui-même qui contrôlait Cavalier, ce n'est pas étonnant que le Titan ait refusé d'établir le lien d'allégeance avec un homme aussi diabolique que Rassimov. Et donc ce Titan aurait été détruit. Vous en êtes certain? Absolument. L'énorme vide ténébreux qu'a créé Rassimov l'a englouti. Et le simple fait d'assister à la scène m'a donné la chair de poule. Je n'aurais jamais pensé qu'un tel pouvoir existait. Mais si c'est le cas, il va falloir vous en méfier. Rassimov a de nombreux pouvoirs. C'est un être très puissant. Autre chose, apparemment Sophie l'intéresse beaucoup. Nous allons effectuer des recherches sur lui. Allez vous reposer un peu maintenant, ça vous fera le plus grand bien. Bonjour. Locke, j'ai une incroyable nouvelle à t'apprendre. Où se trouve le journal de ton père? Pour une fois que tu t'es servi de ta tête, ça nous a aidés. Les inscriptions sur le mur contre lequel tu t'es cogné parlent d'un pouvoir servant à réparer les objets endommagés. Je dois sûrement être en train de rêver. Ou alors j'ai mal compris. Quand on maîtrisera ce pouvoir, on pourra s'en servir sur le journal. Mais c'est génial! Allez, au travail! J'ai compris. C'est pour ça que je suis devenu un chercheur, pour retrouver mon père. Dans la nuit et ses mystères, quand les ombres font peur, le pouvoir de la lumière éclairera ton cœur. N'abandonne pas, si tu es fort, tu auras tout le...